Voilà, comme je viens de le dire, c'est de cette façon que nous allons évoluer prochainement. Tu vois, la dernière fois, tu as été excellent. Et j'ai dit ça à tes parents. Ils sont contents. Mon homme, je suis content de toi. Bravo. Tonton, aujourd'hui, nous allons apprendre l'opposé des choses. L'opposé des choses. C'est dur, mais on va arriver. Ça dit l'opposé égale contraire. Ça dit quand on dit opposé de quelque chose, ça veut dire le contraire de la chose. L'opposé égale contraire. Voilà. Bon, prends ça comme ça. Par exemple, quand je dis ouvrir, son opposé, c'est fermer. Ouvrir, le projet est fermé. Voilà. Par exemple, si je dis viens. Opposé, c'est pas. Le projet vient, c'est pas. Voilà. Maintenant, l'opposé du chien, c'est quoi? Le projet du chien. Oui. La chienne. Voilà. Bravo. Par exemple, l'opposé de monter. Le projet de monter et descend. Oui. Bravo. Oui. Tu as bien. Par exemple, l'opposé de bien, c'est quoi? C'est mauvais. Oui. Ah. Arrête. Continue. Non, je te parle de quelque chose. Je ne te parle pas de quelque chose. Mais reviens ici. Parle ici. On parle de ce qui est sur le tableau. On ne parle pas de ce qui n'est pas sur le tableau. Toto, tu me comprends quand même? Toto, tu ne me comprends quand même? Mais tu confonds tout. Tu ne confonds pas tout. Bon. Je vais partir. Bon, je vais revenir. Eh! Oh! Toto! Eh, tata! Non, là, ça, ce n'est pas le contraire. Oui, là, ça, c'est le contraire. Je te félicitais seulement, là. Je ne te félicitais pas seulement, là. Eh, mon Dieu! Eh, mon tata! Bye bye! Bye bye, non, tata. Ah, mais tu as dit de donner le contraire, et puis je donne le contraire, tu dis autre chose.